Salut à tous, c'est Bay100K, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Une nouvelle vidéo, je vais vous montrer des spots secrets, donc des lieux cachés. Donc dans une ancienne vidéo, je vous en avais déjà montré 3. Comment rentrer dans le commissariat de police, comment rentrer dans l'appartement de chez Lester et comment rentrer dans la petite pièce de torture où c'est en mode histoire, on voit Trevor torturer quelqu'un. Et donc dans cet épisode, je vais vous montrer 5 nouveaux lieux. Donc là c'est parti, on va tout de suite commencer. Là tout d'abord on va se rendre à cet endroit, donc dans le petit camp de hippies qui est juste derrière moi. Donc cet endroit c'est l'endroit où en mode histoire vous allez récupérer la Space Docker une fois que vous avez récupéré les 50 pièces du vaisseau. Donc là c'est parti, je vais vite vous montrer sur la carte où c'est que ça se situe. Donc c'est juste ici à droite, regardez. Et donc tout de suite je vais vous montrer comment rentrer dans cette pièce qui n'est pas accessible en mode online. Donc là c'est parti, vous montez sur l'espèce de petite terrasse qui est juste ici. Là, vous montez sur la chaise qui est là, vous sautez double carré pour monter sur le toit de l'espèce de petite caravane. Là, vous vous rendez ici sur le toit du garage. Et ensuite, vous allez faire la petite astuce que je vous avais montré en vidéo pour wallbrech les petits endroits secrets. Là, vous sortez votre téléphone, vous allez sur Internet, Legendary Motors. Ici, vous allez sur la ADER, donc par exemple. Et vous allez devoir acheter un véhicule où vous n'avez pas assez de sous. Donc regardez, bim, ici, j'ai un petit message d'alerte qui va me demander d'aller sur le PlayStation Store pour acheter des GTA dollars. Là, vous validez. Une fois que vous arrivez sur le PlayStation Store, vous faites retour le plus rapidement possible. Et une fois qu'on aura fini donc le dernier petit temps de chargement, on va réapparaître dans la même session, mais en dessous du toit du garage, donc dans la petite pièce secrète, regardez. Là, je réapparais dans le petit garage de Genius, donc le PNJ en mode histoire qui fabrique la Space Docker une fois que vous lui ramenez les 50 pièces du vaisseau. Donc un petit truc assez cool quand même à montrer à vos potes. Et donc là on va tout de suite passer au deuxième lieu secret. Donc qui est juste ici dans le désert. Donc là je vais vite vous montrer sur la carte où c'est que ça se situe. C'est juste ici au-dessus de l'aéroport de chez Trevor. Hop là, près du petit magasin qu'il y a juste ici. Donc là une fois que vous êtes rendu à cet endroit, vous placez un véhicule comme moi dans la vidéo. Ensuite ici regardez au-dessus il y a une petite fenêtre. Vous la cassez. Là vous montez sur votre véhicule. Ensuite, vous escaladez les petits ventilateurs là qu'il y a sur le mur. Et ensuite, vous rentrez dans le bâtiment par la fenêtre. Et là, on va rentrer dans le labo de Met. Donc, Trevor en mode histoire est pas mal de fois dans cette pièce, le laboratoire de Met. Donc là, vous pouvez voir qu'on a pas mal de petits trucs qui nous permettent à faire de la drogue. Donc là, vous voyez des petites éprouvettes, des centrifugeuses, des petits trucs bizarres. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment stylé. Ici, ensuite, pour ce troisième lieu secret, on va se rendre ici, donc tout à droite, vraiment tout à droite de la carte. Donc juste à côté de l'activité qu'il y a ici, regardez, dans cette espèce de petite base. Là, bim, donc vous rentrez, vous faites le même chemin que moi dans la vidéo. Regardez, bim, ici vous vous arrêtez à la porte numéro 2, qui est juste ici. Là, vous descendez de votre véhicule et vous montez les escaliers. Et vous allez voir que ce wallbrech aussi est vraiment pas mal. Là, une fois que vous avez monté les escaliers, vous allez à gauche jusqu'au fond. Moi je vais en profiter pour vous inviter à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Si jamais vous avez des questions, des astuces, si vous cherchez des gens pour des duplications ou des activités what the fuck, n'hésitez pas, je vous ai mis les liens dans la description. Une fois que vous arrivez ici, vous montez donc sur ces petits trucs électriques là et vous vous rendez entre ces deux poteaux bleus qu'il y a juste ici, comme moi dans la vidéo. Là vous vous placez entre. Une fois que vous êtes placé entre, vous sortez votre téléphone et on va se rendre sur internet. Et je pense que là vous commencez à connaître la manip. Donc je vais vous passer ça en accéléré pour pas que ça soit trop long. Et là vous allez voir que quand on va réapparaître dans la session, on va réapparaître dans le laboratoire. Donc franchement prenez votre temps, faites celui-ci. Il est vraiment énorme, il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Donc des laboratoires secrets, plein de petites pièces qui s'ouvrent, plein de portes qui s'ouvrent. Franchement il est vraiment énorme. Ensuite ici pour le quatrième petit lieu secret, donc celui-ci est quand même un peu plus pour troller les joueurs du mode online ou troller vos potes. Vous devrez vous rendre devant le garage à 400 000, donc qui est juste ici. Et donc pour pouvoir faire ce petit wallbrech, vous allez déjà devoir rentrer une fois dans votre garage comme moi dans la vidéo. Une fois que vous êtes rentré, vous ressortez directement. Et là en fait quand vous ressortez, regardez ce que je vais faire. Bim, là mon personnage il sort du garage et là directement vous courez le plus vite et le plus rapidement en arrière pour re-rentrer. Et bim, regardez ici, je suis re-rentré dans le garage. Et là, en fait, vous pourrez vraiment troller vos amis, regardez, leur tirer dessus. Et ils vont essayer de vous tirer dessus. Ils pourront pas vous tuer, donc ça fait un mini glitch god mode, on va dire, où vous pourrez pas embêter les autres joueurs.
Et ici on se retrouve donc pour le dernier petit lieu secret de la vidéo. Donc celui-ci aussi est pas non plus énorme, mais on va pas tout mettre dans la même vidéo. Je vous en sortirai deux dans un autre épisode. Donc celui-ci, il faut se rendre juste ici, donc à gauche au milieu de la map, dans la forêt. Et vous allez voir qu'ici il y a une petite grotte cachée, donc juste derrière moi ici, regardez. Une petite crevasse dans la falaise, regardez juste ici. Là vous rentrez à l'intérieur et aussi vous pourrez vous amuser à vous cacher, donc vos potes ne vous trouveront pas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça fera vraiment plaisir. Donc je sais qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui connaissent ces spots, mais vu qu'en plus il y a une nouvelle méthode pour Wallbreach, je trouvais vraiment que c'était intéressant de les remontrer. Et voilà, moi je vais vous laisser essayer tout ça. Je vous dis à tous bon game, bon glitch et ciao tout le monde.